Bonjour monsieur le journaliste. Aujourd'hui à la débat pays peuplé. En fait, nous sommes ici parce que on a beaucoup pleuré nos frères à l'est. On a beaucoup été endeuillés. Et on est ici parce que on a attendu ces moments depuis longtemps. Il y a des 15 jours qui se renouvelaient chaque fois pour évaluer l'état de siège, mais aujourd'hui au moins on a convoqué la table ronde et nous espérons que ça sera la levée immédiate et sa condition de l'état de siège. Mais pourquoi vous êtes contre l'état de siège? Parce que le gouvernement militaire est en train de faire le travail convenablement. Pourquoi vous êtes contre? Bon, ceux qui diraient convenablement, ils ne vivent pas à l'est. Moi, je viens de Goma. Je vis à Goma, à Beni, à Butembo, partout là-bas. C'est que avant l'état de siège, aujourd'hui, nous sommes dans les pires, parce que vous savez vous-même que l'état de siège était arrivé chez nous lorsque les M23 étaient à Tchanzu. Mais aujourd'hui, sous l'état de siège, sous l'œil impuissant d'état de siège, l'ennemi est jusqu'à Massissi aujourd'hui. Et aujourd'hui, presque un quart de la province est contrôlé par les rebelles et les groupes armés. On n'a rien vu de bon de l'état de siège, mais plutôt l'état de siège est venu pour spolier les parcelles de l'État. Ça, je l'ai dit bien, parce que je suis témoin, je vis à Goma. L'état de siège aujourd'hui, ils sont venus, on ne tuait pas, on ne tuait pas très souvent dans les tronçons Commanda Luna. Mais aujourd'hui, il y a plus de 3000 morts, il y a plus de véhicules incendiés, et nous comprenons que c'était une mesure impopulaire. L'état de siège, c'est une honte pour la République. Et cette honte doit être essuyée aujourd'hui. Mais nous avons aussi suivi le gouverneur militaire, le Bouakacha, mais il a dit que c'est les efforts de l'état de siège qui a stoppé l'hémorragie de M23 vers Goma. Ce n'est pas question. C'est plutôt la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi par rapport à la force de l'EAC. Mais ni t'était la diplomatie du président Félix, Goma allait déjà tomber. Comment on peut saboter l'état de siège jusqu'à prendre Massissi? Que pourrait laisser qu'on ne prenne pas Goma? C'était juste la force de l'EAC qui avait protégé Goma par rapport aux accords avec le M23. Mais on ne comprend pas que c'est l'état de siège qui aurait freiné le M23 de prendre Goma. C'était juste la diplomatie qui aurait laissé à ce que le M23 ne prenne pas Goma. L'état de siège, c'est un échec et une honte pour la République. Il doit être levé sans condition. On ne veut plus la requalification. Nous demandons juste le retour à l'ordre constitutionnel. Mais mon Amboka, c'était hier que vous avez aussi boycotté la présence des EAC au niveau de la Est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, vous venez aussi de féliciter EAC. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, on ne félicite pas l'EAC parce qu'aujourd'hui, l'EAC cohabite avec l'ennemi. L'EAC n'avait pas la mission de cohabiter avec les rebelles. L'accord entre l'EAC et le gouvernement congolais est très clair. C'est combattre côte à côte avec nos FRDC. Mais au lieu de combattre, ils sont maintenant en cohabitation avec les terroristes du M23. C'est un autre complot, voilà pourquoi nous demandons aussi que cette force complice puisse quitter notre pays. Quand vous êtes en train de refuser l'état de siège, est-ce que vous avez aussi la proposition que vous pouvez donner pour que la paix s'arène au niveau du l'Est? Le problème, il y a la mauvaise gouvernance. Il faut juste qu'on réforme notre armée, qu'on équipe nos militaires, qu'ils soient motivés. Et qu'on laisse la cacophonie dans les commandements des forces armées. Vous allez comprendre aujourd'hui, la 34e région est presque inexistante parce qu'il y a un gouverneur militaire et lieutenant général. Un général-major n'a rien à dire devant un lieutenant général. Et quand il y aura un gouverneur civil, je pense, l'armée continuera à faire son travail comme il le faisait depuis longtemps. Vous êtes aussi l'une des fils de Goma. Est-ce que c'est réellement qu'il y a quelques zones vraiment sous contrôle par le rebelle de M23? La question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelques territoires contrôlés par le M23? Mais le M23 aujourd'hui occupe presque tout Rutshuru. Le M23 aujourd'hui occupe un quart de Massissi. Et le M23 aujourd'hui occupe 80% de Nyiragongo. Et voilà qu'il ne faut pas dire quelques territoires parce que l'état de siège était incapable même de récupérer même la moitié de Nyiragongo. Ils sont les entours
2022. Évidemment, les M23 sont à Kibumba. À Kibumba, c'est à une trentaine de kilomètres de la ville de Goma. Et les M23 sont à Kilolirwe. Hein? Les M23 sont au moins à quelques kilomètres de Sake. Et nos soi-disant états de siège n'ont pas développé de mécanismes de mettre fin à ces atrocités. Ça va. Pour qu'on puisse mettre fin, qu'est-ce que vous proposez à la gouvernement congolaise, un message au niveau du... Bonjour Madame Beni. Bonjour journaliste. Madame Beni, tu sais comment la présence de Nabino au niveau et à pays du peuple. Qu'est-ce que signifie votre présence d'aujourd'hui? Présence Nabiso A on a parlé du peuple Zapo Nakoya parce qu'on a quand il a parlé du peuple, ils ont organisé table ronde. Table ronde sur l'état de siège où ils ont la province ya Nord Kivu, la province ya Ituri. Nereni Nito, Sala, Lokola, évaluation ya état de siège. Yango Nabiso pe Lokola bana mboka, toye. Mais selon Bino Bodab sur le terrain, comment vous êtes de voir l'évaluation avant dans nos table ronde à publier Oya Bino Oya Bango Omoni point Oyo Ezo Zala traité par rapport à Yako Yeba situation à état de siège en tant que peuple. Et biso petoza nga personnellement en tant que moi na mboka ya kati ya Nord Kivu na ba bitumba onyo sotozo lekela pour nous. Il serait vraiment temps et important de relever l'état de siège. Pourquoi tu es gouverneur qui a été mis des salaires pour que tu aies coupé la banque? Mon frère, on est là, le gouverneur à l'Obaki. Mais si tu es là, tu as une différence. Parce que ce qui est moni, objectif à l'état de siège, parce que le président de la République, il a coté à l'état de siège, a sauté à quel niveau, parce que mon acquis est au niveau moko, il y a makasi, il y a difficultés à l'icolo. Parce que Nagoma, 2012-2013, on constate que M23, Azalaki naye akotaki mais abimaka insécurité ezalaki kaka ya ko umela na kati na mboka na biso. Alors le président de la République a su décider à l'obité tokotaki état d'urgence té directement tokoti état de siège ya koloba nini esuki sa makambu monguna azala vraiment complètement mise hors d'état de nuire. Mais toyé qu'on constatait que 2 ans oyo tozo leka état de siège, on est que Monguna Akende, on est que M23 et Banga ta présence militaire, au contraire, insécurité est comme Nicolo. Parce que nous avons posé quelques questions. Makambo to vivre à Kanagoma. Oyo à la seconde, à la minute, ma côté là qui bat la bande, ma boma qui battelle, ma cambiste, ma nini. Donc les gens sont en train de se régler des comptes pendant que la sécurité est entre les mains de militaires. Et la population se pose la question aujourd'hui, avec la présence de l'FRDC qui est dans la ville de Goma, mais qui ne peut pas accéder dans le territoire où il y a M23. Alors on se pose la question, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Ou bien que le gouvernement puisse prendre des mesures? Il y a qu'on carte directement au état de siège. Dans la ligne de Bisabango, exemple, moi, qu'on a coupé ça. Et ça, c'est le cas de Maki. Omemi Maki, dans le bon moment, Omemi Peba Or, Ba Diamant, dans ma Kambutu. Alors, liki wana oyo memi. Ezande liki moko tikali na Congo na mboka mobimba pour le sauvegarde ya koloba ke soki ba pousser wana etikali ka o moko wana. Alors, mon pepe eye, il faut on décider ko sauver ou bien au sauver ba mbongo ozana ngona ba richesse ou bien on sauver liki wana. Merci beaucoup madame Beli, c'est année succès makambu wango wana. Merci. Bonjour. 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 M23 avant de quitter le siège, M23 a été. Mais le M23 a occupé. Avant de quitter le siège, M23 a été. Avant de quitter le siège, M23 a été. Ah bon?
Baeba déclaré état de siège M23 attaqué. Biso abote biso Bunagana, abote biso Kiwanja, abote biso ba territoire nyonso. Tozo mituna. Avant état de siège, ba rebelle bazaine étendu makasi te. Avant état de siège, ba rebelle ba komine étendu makasi. Parce que loko ni important c'est ni état de siège za kuna. Tout monde place mon état de siège ba amene biso abote ko de ko minduki, to mabele, tout monde place mon to abote ba mai mai to ba nguna na biso M23 ba soutenir par ba Rwandais. Mais baza chaque jour kana S. Yon to signe na gouvernement azongisa ba autorité civile na Nord Kivu na Ituri. Mais bah renforcer bah Soudan et puis sur la partie est pour qu'il m'écoute. Mais mon Mboka, tenez le micro bien là yo. Tant qu'on suit le baguette pas donc ça va autorité civile mon Mboka. Mais ton monde était des sièges, ben il m'a convoqué qui est un homme de Sidi Kochama Polé la carte c'est parti est mon Mboka. Mais on a besoin de pas encore quoi tant mon ancien état de siège était mais M23. Écoute déjà la gomme mon Mboka. Ce qui était des sièges il m'a cassé un abo dans Bunagana. Ce qui était des sièges il m'a cassé un abo dans Kiwanja. C'était le CRM à casse dans la routure où il y a des gens qui ont été. Le fait que le territoire est en nuance, il y a des informations. Chaque jour, un vétéran qui a attaqué, le soldat est en repris stratégique. Tout ça est repris stratégique. Tout le monde est en place de mourir et de attaquer. Il y a des soldats qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en système de Kanyaka. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ceux qui ont été en train de se faire, c'est parce que le gouvernement a été en train de se faire pour parler de M23. Mais ceux qui ont été en train de se faire, il faut mais quand même besoin reconnaître les efforts et ASC mon Mboka parce que bien on besoin ba oya tepe dégage mais quand même on veut tout reconnaître ba efforts ASC et ASC esa banguna bango moko Rwanda zo attaquer biso na sima ah ba na pour parler sur bango te ba pota déjà mais que elo na solo ba yango na ras ASC na M23 ba tout moko ba tout moko me ba bunda bazati pour ASC Rwanda azana sima ya M23 Rwanda azana sima ASC baza ba tout moko yondo bazo bunda te pour ceux qui ASC za yite banga ba bunda ASC na M23 et ça est loco moko bazaka ka batu moko bana maman moko mais au comme on est bonjour bonjour merci ma micro on a micro sima micro parce que ta malamba imbo ba yoko malamba maman moko ba to partenaire mon entier ah dans niveau pays du peuple mino ba imbo ba sangane bele ah pona mo tindo nini maman moko obo siba banderole boy alors biso toza ba mouvement citoyen to sangani na isika oyo pona koyebisa bandeko oyo bazana ouverture ya table ronde. Toi, bisa bango que to lingi décision moko ebima kuna décision oyo eza que état de siège à la lever. Pourquoi? Parce que to moni ba insuffisance belé na kati ya état de siège. Biso to kanisa ki que er mo konzi mboka a décrété ki état de siège to sepela ki to kanisa ki eza solution na makambo mboka. Alors après bisonyo soto sepela ki to lobi kimia ekozonga na partie est ya république après mo konjambo kazo e bisabi so ke non ye atiaki ango sur demande ya ba commerçant ya nord kivu na itou c'est que ba commerçant ba komo dirije mboka bazo tindele mitindo a tempéré ba commerçant ba yebi pona nini ba senga ki nini état de siège ba senga ki état de siège po Baba Nakosa la badil na bango na ba gouverneur militaire au bazar sur place. Okay. Gouverneur militaire a commis na goma. Au lieu à pacifier na une partie est, azo ebisabiso que non, akuti na gouvernora impossibilité ya ko mobiliser au moins 2 millions de dollars par mois. Alors que Moussala na ye ezale ki a appelé ça paix. Hein? Lelo si na une phénomène 40 voleurs na goma. Lelo Nago ma bazo boma batuti na moi. Ça dépend quand la stratégie à Munguna ou à Zolina boma. Donc il n'y a pas de sécurité à Goma. Sécurité dans la Goma, t'es en outil Goma. Batu bazo vivre na psychose. Batu bazo coca cofanda bien t'es na Goma. N'en a outil Goma. La salut deux courses na Goma. En tout cas, Boutou, c'est que Batu bazo là la bien t'es. Yango na biso to lobby, tozonga à l'ordre constitutionnel. Ba lever état de siège. Bazo ba mesure mususu to boyi requalification à état de siège ba évaluer état de siège après évaluation résultat ezaka moko obisonyo sotozo loba eza échec total eza échec total ba lever yango et puis ba bazonga na ordre constitutionnel ba militaire wana ba kote na bango na copie ya mosolo ya mbongo nde makambo bazo sala nde makambo bazo sala na nini na goma. Gouverneur militaire a commis au stade municipal. Est-ce que ça, Moussala Naye? Moussala Naye a yé wana po
appelle ça paix, uniquement la paix. La paix, uniquement que la paix. Les lots, tout le monde a prolongé l'état de siège dans l'Assemblée. Ils ont consulté. Est-ce qu'ils ont respecté ni la constitution de l'Abisso? Quand même, tout le monde a il faut tout respecter Mibeko. Tout respecter la constitution de l'Abisso. Il faut respecter Makambu. Oyo et Komami Naba, beaucoup y a Mboka Nabiso. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Mais pas trop partout dans mon atelier, dans mon monde à où tu la contre-tête des sièges. Aussi, mon soleil, il y a un mot qui est des sièges. Bon, c'est une question du pays. Ça ne demande pas une motivation d'argent de quelqu'un. Il y a un groupe d'individus, non, parce qu'il y a un mot des sièges, mon Mboka. Bon, en fait, ceux qui sont peut-être réunis pour être contre quelque chose par rapport à l'argent, nous, on n'est pas là. Comme tu nous vois ici réunis, nous sommes réunis par rapport à une seule chose qui nous attaque tous, c'est l'intégrité de notre territoire, de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici. Premièrement, l'objectif principal, comme tu l'as lu sur le message, on ne veut pas encore la réqualification de l'état de siège. Il faut que le gouvernement, comme il a compris, en demandant juste ces tables rondes, c'est parce qu'ils ont compris que l'échec de l'état de siège est là. S'il n'y avait pas peut-être cet échec-là visible aux yeux de tous, le gouvernement ne devrait pas comprendre ce que nous, auparavant, on avait déjà compris. Mais il n'y a pas de signaux positifs pendant la période de l'état de siège. Je vais vous dire franchement, vous êtes journaliste, essayez de voir le bilan par rapport avant l'état de siège et pendant l'état de siège, vous serez étonné. Arrange bien le micro. Vous serez étonné en regardant le bilan de l'état de siège. Prenez juste quelques mois ou une année que l'état de siège a été installé. On a perdu combien de territoires? Bounagana, ça fait aujourd'hui une année et quelques mois que le territoire de notre pays est occupé. Et le gouvernement ne se soucie même pas de cela. L'état de siège, nous on pensait que l'état de siège devrait venir et répondre aux besoins primordiaux. Le besoin primordial c'était la paix. C'est tout ce que la population de l'Est, nos amis demandaient, nos frères demandaient. C'est juste la paix. Et la paix n'est pas là. La paix n'est pas là. On doit dire que c'est l'échec total. C'est l'échec par rapport à cet état de siège. Le gouvernement, si ils ont compris que l'état de siège a failli, il fallait prendre d'autres mesures. C'est pour cela que vous nous avez vu venir ici. On ne réclame pas seulement la levée de l'état de siège, on a aussi des propositions. On a notre cahier de charges, il y a d'autres mesures que le gouvernement est censé nous contacter. On doit donner d'autres mesures palliatives pour qu'on puisse trouver ensemble les résolutions que la paix revienne à l'est de notre pays. Vous avez aussi la proposition, vous pouvez proposer à la gouvernement pour que ça, la paix ça règne au niveau de l'Est. Il y en a déjà. Il y en a déjà. Le cahier est là. Arrange bien le micro. Les propositions sont déjà là. On a nos alternatives pour la sortie de cette crise. Et au-delà de ça, on ne condamne pas seulement la levée de l'état de siège et aussi il y a nos camarades. Comme vous l'avez vu, il y a notre camarade King Mamuiso. Il est détenu à la prison de Mouzenze depuis une année. Il était étudiant, il a abandonné ses études. Pourquoi le gouverneur militaire l'a fait arrêter? C'est parce qu'il est contre ses déclarations. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui, dans son pays, dénonce quelque chose qui ne marche pas. Il a dénoncé que l'état de siège a failli à sa mission et le gouverneur militaire l'a fait d'un prisonnier politique. Il est là, il courbit dans la prison à Goma. Nous demandons aussi sa liberté. Bonjour Madame Beni. Bonjour journaliste. Madame Beni, tu sais comment la présence de Nabino a un niveau et à payer du peuple. Qu'est-ce que signifie votre présence d'aujourd'hui? Présence Nabiso a un palais du peuple, Zapo Nakoya, parce qu'on a quatre palais du peuple, ils ont organisé table ronde. Table ronde sur l'état de siège où est dans la province de Nord Kivu, la province de Ituri. Nous avons une évaluation de l'état de siège. Nous avons une évaluation de l'état de siège. Mais selon Bino Bodab sur le terrain, comment vous êtes de voir l'évaluation avant de nous
table ronde a publié au Yabino. Au moni point Oyo Ezo Zala traité par rapport à Yako Yeba situation à état de siège en tant que peuple. Et biso petoza nga personnellement en tant que moi na mboka ya kati ya Nord Kivu na ba bitumba onyo sotozo lekela pour nous il serait vraiment temps et important ya ko lever état de siège peut-être chez pour contre toi ton ami gouverneur baki oyo roté mettez des salaire moko oyo azo couper na banguna très mais les bino azo couper na banguna na mboka mon frère o wana ezali kambo oyo gouverneur a lobaki. Mais biso ba na mboka tozo mona différence té parce que ce qui to moni objectif à état de siège za la kinine parce que le président de la république ya kotia état de siège a sauté qui niveau parce que mona ki toza na niveau moko ya makasi makasi ya difficulté za likolo parce que na Goma 2013 bo constata ki ke M23 Azala qui naie, à côté qui mais abimaka. Insécurité, Azala qui kaka ya ko ume la nakati na mboka na biso. Alors le président de la République a su décider à l'obité. Tokota qui état d'urgence te directement tokota état de siège. Ya ko lobanini et souki sa makambu, monguna Azala vraiment vraiment complètement mise hors d'état de nuire. Mais toi qu'on constate que 2 ans, oyo tozo leka. État de siège, au lieu que Monguna a kende, au lieu que M23 est banga ta présence militaire, au contraire, insécurité est comme Nicolo. Parce que, nous avons posé quelques questions. Makambo, tu vivras à Kanagoma. Oyo à la seconde, à la minute, ma côté là qui bat ton abanda, ma boma qui battelle, ma cambiste, ma nini. Donc les gens sont en train de se régler des comptes pendant que la sécurité est entre les mains de militaires. Et la population se pose la question aujourd'hui, avec la présence de l'FARDC qui est dans la ville de Goma, mais qui ne peut pas accéder dans le territoire où il y a M23. Alors on se pose la question, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Ou bien que le gouvernement puisse prendre des mesures? Il y a qu'on carte directement au état de siège. Dans la ligne de Bisabango, exemple, on a coupé ça. Et ça, on a dit que on a mis un diamant dans le monde. Alors, ce qui est au Yomemi, les gens qui sont au Congo, na mboka mobimba pour le sauvegarde, ya koloba ke, so ki ba pousser wana et tikali ka o moko wana. Alors, mon peuple eye, il faut on décider qu'on sauve. Ou bien on sauve ba mbongo oza na ngona ba richesse, ou bien on sauve likiwana. Excellence, bonjour. Bonjour. Alors, Excellence, qu'est-ce qui signifie votre présence aujourd'hui? Tout le monde a beau déjà quand il tout, il a bien fait. Quand on dit tout pas chez tout ça, est, on dit ben abeto bakenga, ben abeto babashipa, tout pas chez Bulova, tu vas l'oublier à Banco Viongo. Tout le monde a quoi bilan fou moi dit tout ça, on va l'oublier tout. Bien fait là, état de siège à l'école, ba civil ben ça mouge mou, on bouche ba masale on soit du montoamu. Quand nous avons Mujumu Bimpato, walu bipeta bia Mujumu Abo, quand nous avons Kanato. Merci beaucoup. Bon, maïmo ka kona télévision, excusez biso, mon amboka inga parle na juste na langue nationale, moko tuluba. Na bref, ma molobi, ingo lobani ne biko laksani mon amboka na fondé tout na ningala. Bon, toye awa pona ko laksa likanisi na biso, o etali état de siège, parce que totali état de siège déjà eko kisambula moko. Mais est-ce que les gens qui ont fait beaucoup de choses, ils 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 ont fait beaucoup de choses, alors que Moussa Bango est là, ils ont Azongi ça kimia ezo akota na mboka yango wana biso to lobi lelo il faut to lakisa mokonza mboka to boye makambo kete to définir l'état de siège comme eloko mususu te alongolango mais ba mesure ezala pour que mboka na biso e pa na kimia to boye makambo oyo oyo ezo sala ma es to za pourté to zo mona batu bazo kufa to mona po ba militaire ba osala su musala te alors que musala bango état de siège aki pore non ko benga na munguna mais munguna yo wana chiko za wana fandi. Bientôt, il y a une élection. Parti Moussousso, il y a une élection. Pour ce qui est de l'État, il y a des résultats. Le nombre de tueries, il y a des gens qui ont augmenté. Il faut que l'on ait un peu de temps.
à Longola, décision à Zouaki pour l'état de siège. Merci beaucoup. Excellence, bonjour. Bonjour. Excellence, qui signifie votre présence d'aujourd'hui devant Palais du Peuple? Alors aujourd'hui, nous sommes des activistes de plusieurs structures, mouvements citoyens. Nous sommes venus dénoncer l'état de siège. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça et on avait commencé dès le début. On avait quand même, bon, on avait soutenu ça à la base quand l'état de siège a commencé en espérant que ça pouvait nous apporter des fruits. Et au preuve du contraire, on a vu que l'état de siège, ça nous a apporté l'EAC qui est la balkanisation. Et l'état de siège continue à nous amener encore beaucoup plus des taux de criminalité qui augmentent et nos frères et sœurs qui sont en train de mourir du jour au lendemain. Alors vu qu'aujourd'hui, il y a une table ronde qui va parler de l'état de siège, nous sommes venus pour les rappeler d'arrêter carrément cet état de siège plutôt, parce que jusqu'au preuve du contraire, nous n'avons pas vu des résultats que nous attendons. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour rappeler aux autorités, aux députés qu'on avait voté l'autre fois, au président de la République, avec le membre du gouvernement, d'annuler totalement l'état de siège parce que c'est un échec total. Nous avons suivi aussi la fois dernière le gouverneur militaire, le Boya, il avait dit que c'est dans les grâces de l'état de siège que ça peut stopper l'hémorragie du M23 vers Goma. J'ai comme l'impression que lui-même, il ne vit pas à Goma. Parce que moi, je ne suis pas à Goma, je suis la situation du Goma de près. Et ce que je suis en train de voir à Goma et ce qu'il lui est en train de dire, c'est des choses différentes. Nous sommes tous Congolais au-delà de tout. Nous nous intéressons beaucoup plus de notre pays. La situation du Goma nous intéresse beaucoup plus. Et lui, il prétend vivre à Goma et ne pas savoir ce qui se passe à Goma. Ça, c'est encore plus dangereux pour nous. Et nous allons comprendre que ça ne nous apporte carrément rien. Dire que l'état de siège aide vraiment Goma. Bonjour. Bonjour. L'état de siège a été Merci beaucoup, Mme Mboka. Bonjour. M23 avant de décrire l'état de siège, M23 a été. Mais le M23 a occupé. Avant de décrire l'état de siège, M23 a quitté. Avant l'état de siège, M23 a été. Ah bon? Oui. Bah, il va décrire l'état de siège, M23 a attaqué. Il a été sur Bounagana, il a été sur Kiwanja, il a été sur le territoire de Nyonso. Tous les Mituna. Avant l'état de siège, les rebelles ont étendu ma casse. Avant l'état de siège, les rebelles ont étendu ma casse. Parce que l'important, c'est l'état de siège. Tout le monde place mon état de siège, il va amener le de Minduki, tout le monde tout le monde place mon état de siège, tout le monde va mettre M20, tout le monde va soutenir par Rwanda. Mais chaque jour, il y a un signe dans le gouvernement, à Zongisa, l'autorité civile, dans le Nord, dans l'Ituri. Mais il va renforcer le Soudan et la partie est pour qu'il m'écoute. Mais moi, je suis là, tu as le micro bien. Tant que je ne sais pas, ça va autorité civile. Mais tout le monde était des sièges, il y a un peu de temps que je suis là, pour la carte, c'est parti est de mon amboka. Je ne sais pas, 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 je ce qui était des sièges, il y a ma casse, il y a un peu ce qui était des sièges, il y a ma casse, il y a un Kiwanja. Le fait que le territoire est en Nyons, il y a une information. Chaque jour, un vingt ans, il y a un attaqué. Tout ça est repris stratégie. Tout le monde a place morte, armé, il y a attaqué. Les gens qui sont en Nyons, ils 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 Goma, les autres ici, c'est parce que le gouvernement a dit que l'EAC, il n'y a pas de parler de M23. Mais ce que j'ai dit, c'est que le gouvernement a dit que
il faut que ça. Mais quand même, besoin de reconnaître les efforts. Il y a ESC, madame Boka. Parce que nous avons besoin de voir, il y a des dégâts. Mais quand même, nous avons reconnaître les efforts à ESC. ESC, et ça, Bangouna, Bangoumoko. Rwanda, ils ont attaqué le Sénat. Ah, ben là, pour parler, si Bangoumoko, il y a déjà. Mais quand on a un peu de temps, ESC, na M20, il y a un peu de temps. Il y a un peu de. Pour AS, Rwanda, Azana Sima M23, Rwanda, Azana Sima EAC. Parce que tout le monde a un peu pour ceux qui EAC, ils ont un peu de EAC, ils ont M23, ils ont un peu de moko. Parce que tout le monde a un peu de moko. Mais ils ont M23, ils ont un EAC. Mais donc, cela veut dire que vous avez moi qui m'écoute à moi. Mais pour que vous avez un peu de moko, bonjour Nayo. Bonjour papa. Je suis un peu de moko. Je suis un peu de moko. Je suis un activiste qui est à parler du peuple. Je vais passer un message par le président de la République. Je vais vous dire que vous avez un peu de temps. Vous avez un sérieux. Na table ronde oyo et bandi lelo. Et ce qui est sérieux, na table ronde et bandi lelo, la résolution est malam et kobima. Le président de la République a la chance de souka. Pour sauver l'honneur de l'honneur de Bitumba, il y a un peu de temps. Et table ronde oyo. Donc, vous avez un peu. Bunaganda exali na maboko ya ba M23 na moment oyo état de siège ezalaki décrété au niveau ya est du pays. Alors biso to lobi lokola état de siège ezali échec total, pire échec. To sengi na bango balongola yango pe basa la réforme na niveau ya armée na biso pour que makambu ekende malamu. C'est ça que vous proposez madame Boka. Eza oyo biso ba surtout ba kongomani to yango bosenga. Oh bon, on sala et ça bossenga la congomanité. Yango te bisi bango baza la série. Et le président chance naye asuka yango yo. Oh seigneur la sauver honneur naye, na wetali citation ya este. Ce qui bazali sérieux, na table ronde oyo ba résolution malamu e kobima. Ce qui ba résolution malamu e bimité, ba komona biso la nzela na bango. Ce qui ba lingi, ba coloré ma belle na biso la makila et ba congomani, tout ali prêt pour na to récupérer este wana. Merci.